Ok, on part sur une inter. Allez, on y va. Ok, qu'est-ce qui se passe au GIGN? Oh. Je suis au GIGN, y'a rien. Là, je l'ai accepté, enfin, il a disparu depuis. Mais... je vais être dans les locaux. Bonjour, messieurs. Monsieur, s'il vous plaît. Vous nous avez appelé pour un incendie au GIGN, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un incendie au GIGN. Attendez deux secondes. On a reçu un appel. Attendez, répétez, j'avais du problème sur la radio, vous pouvez répéter maintenant. Où se trouve l'incendie? On a reçu un appel. Oh, personnellement, j'ai pas d'incendie, puis je crois que l'incendie a été... Parce que là, du coup, vous faites un déplacement. Écartez-vous, voilà, de la barrière. Vous faites un déplacement pour rien des pompiers, quoi. Monsieur, je vous conseille de quitter le périmètre. Ok, donc là ça a pris dans la pièce là. Ici. Oula, et puis ça a pris dans le jardin. Dans le jardin, il faut faire attention à la propagation aux, aux habitations extérieures. Ouais. Bah, il est plus là le FPT par contre. Moi je dirais on arrose par dessus avant. Ouais, mais non mais on les fait à la hache. Après, vu comment c'est enflammé, le bâtiment du bâtiment il va être dur à faire. Avec une échelle, ça va s'écrouler. Ah, le propre se brûle. Chaleur qui sort. L'alarme incendie, c'est pas déclenché.
Merci. Tu t'occupes du feu extérieur, veux que je finisse l'intérieur ou Il y a un autre Et la gendarmerie nationale, et le GIGN. Il y a le GIGN qui est là. Il passe, il voit sur le toit. Bon, bah moi j'ai fini l'intervention. Donc un retour caserne.